Hey, what's up? Moi actuellement dans l'hôpital Saint-Antoine dans Jérémie. Je viens regarder comment bagay yo et moi t'ai rencontré quelques autorités. Quelques monde, nous pas besoin en pile image malade etc. parce que c'est pas ça que vient régler là. Moi ici là dans Jérémie ensemble avec Sarah Bertin qui lui-même depuis Saint-Domingue était mobilisé quelques intrants, Jean-Aurel Léoa, qui c'est sérum et l'autre matériel médical pour te venir livrer ici là dans Jérémie. Moi t'accompagner pour bien sûr te venir faire livraison en tout organisé avec Ralph Simon de JCOM pour transportation. Et moi t'ai une chance de rencontrer et un docteur qui lui-même ouais m'a fait photo ami. Ouais, viens faire photo avec nous. Bye. OK. moi t'ai rencontré directeur départemental santé publique là avec un docteur qui lui-même t'ai recevoir patient yo hier qui t'a donné plus de détails. Racontez-nous petit casse comment nous t'es vivre tremblement de terre là et comment t'es organisé réponse sanitaire là bon ici là. Oui, bon, comme on connaît tremblement de terre là c'est un bagage qui paraît que ou pas de prévoir, c'est pas même avec un cyclone. Donc le tremblement de terre apparaît et tout le monde ou a l'impression que tu es capable de une victime. Mais c'est à partir de flux et patients qui ont rentré à l'hôpital là, il faut connaître qu'il y a une pile victime et comme nous disons, la situation était très compliquée et avec un pile patient, un pile monde qui blessé, un pile monde qui fracturé. Et qui ça nous défait parce que nous connaissons que le fait qu'on ne pas préparer, nous faisons une collection d'intrants. Et avec la collection d'intrants, nous arrivons quand même à faire une prise en charge, une réponse partielle. Mais nous remercions ça, surtout partenaires qui portent aide à nous, particulièrement ou même avec Sarah Bertin. Qui vient avec soluté et etc. Donc c'est important parce que ça permet de nous continuer by soin pour nous pas en rupture d'intrant. Nous pensons que il y a plus de bagages pour nous faire toujours parce qu'il y a plusieurs communes qui sont affectées. Et dans les communes qui sont affectées, il y a un côté où la pocophine est vraiment perméable. Et donc un pestel. Et que actuellement là nous avons une quantité soluté nous la constitution stock pour nous voyer Pestel pour nous voyer Beaumont pour nous voyer Duchiti et Corail donc ça permet que parce que gagner prise en charge qu'a fait dans zone ça et nous pensons que avec le route là qui bloqué et qui rend que département encore plus enclavé et donc nous n'avons pas de problème de carburant. Nous pensons que faut que penser à envoyer des aides humanitaires, carburant humanitaire par bateau. Okay? Parce que c'est, et nous pensons que à partir de glissement de terrain qui produit dans cette route-là, son travail qui prend 3-4 jours. Et avec, parce que nous déjà avons des matériels lourds qui mobilisent sous terrain. Donc nous pensons que quand même la privé ça c'est défi que nous avons là que nous besoin lever. Okay? Mais puisque vous même vous bonzez sur tout département pas seulement ici là dans Jérémie, vous parlez de Corail et Pestel que vous même vous voyez être en pour là est-ce que vous besoin de ressources humaines tout? Est-ce que vous besoin des monde qui peut-être des capacités dans affaires urgences médicales pour ta cabine rejoindre nous là. Évidemment, nous avons besoin de monde et nous pensons que déjà il y a des organisations, des ministères de la santé publique qui mobilisent des spécialistes, des organisations qui mobilisent des spécialistes. Donc, réponse non, peut-être prend un petit temps pour le faire, mais ça fait quand même. Déjà, je vous dis, il y a des spécialistes qui commencent à débarquer dans l'avion. Okay. Parce que vous prenez mon problème. Il y a une psychose des répliques là. Ouais, justement. Et donc, Mounio, on dit j'en peur, était en bas béton.
Donc, si patient opéré en bas béton, ce n'est pas médecin qui va t'appeler. Ça veut dire que salle d'opération, on a l'impression que. C'est en plein air, vous t'appelez. C'est en plein air, vous t'appelez, mais il faut le faire quand même. Oui, oui, parce que oui, nous sommes oui, obligés d'opérer. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça qui va. Et donc, nous pensons que nous avons des matériels qui sont vraiment importants, comme un stérilisateur, qui est supposé sortir pour le prince. Et actuellement, là, nous avons gardé pour nous qui j'ai un café. L'arrivée parce que stérilisateur est extrêmement important pour ça l'opération parce que stérilisateur ici en panne. Mais son matériel lourd, même l'hélicoptère ne va pas penser que le gravier la donne. Ils sont avec presque le cap en salle. Donc nous pensons que y a plusieurs problèmes pour nous résoudre. Mais jusqu'à présent, la tension de gagner, nous n'avons pas gagné là. Oui, c'est ça, mon matériel. La tension de gagner, nous n'avons pas gagné là, mais. Ça veut dire que tu as géré toute urgence hier et pendant le jour. Mais il y a une urgence. Oui. Il y a une urgence parce qu'il y a tout un département. Parce que nous avons des zones qui sont extrêmement difficiles d'accès et que toute activité pour faire là-dedans, c'est des activités, par exemple, soit fonds clinique mobile, fonds activités héliportées. Oui. Donc, vous avez des patients, si vous faites évacuation, c'est seulement par hélicoptère. Oui. Nous avons une zone pousseline. Et Massanga dans fond cochon. Donc c'est des zones assez difficiles. Total. C'est la commune des Ozo. Je vous remercie et je me souhaite un peu le courage dans le travail qu'on va faire qui n'est pas passé. Ah mais mon cher, je vous remercie parce que vous pensez que vous même avec Saoudi Bertin, vous pouvez être banou. Merci. Vous avez un café. Saoudi, on a Jérémy. Monsieur Bertin, on a Jérémy, ça n'a fait bon ici. Bon, nous venons aider, nous venons garder qui ça a besoin, nous venons porter quelques, comment dire, sous-mots médicaux. Oui, sérum. Sérum. Avec des aiguilles, ça y est. Et tube, aiguilles papillon avec tube. Avec désinfectant. Exactement. Côté, c'est ça, on était qu'à joindre hier soir, une bonne nouvelle là. Oui. Parce que tout le bail était fermé. Ça va être rapide. Tout le bail était fermé. Rapide, nous faisons là et puis courir, rentrer rapide. Mais nous connaissons que y a besoin de plus de bagailles. Y a besoin de bagailles spécifiquement pour l'hôpital. Nous connaissons qu'il y a plus de monde qui blessé. Chaque moment, chaque minute qui passe, nous avons découvert plus de monde qui blessé. Alors, n'importe qui ça est capable de faire pour aider l'hôpital comme ici là. Voyez ça est capable. Je connais que c'est un peu compliqué, je connais que les routes sont fermées, je connais qu'il y a plus de complications pour le vol aussi, je connais qu'il y a pas de pluie demain. Toute situation est compliquée, mais la réalité c'est que de cœur, fait tout ça pour capable, puisque Haïti a besoin, Haïti a besoin de nous. Chacun de nous, c'est pour nous mettre main ensemble, pour nous faire tout ça nous capable. Même si ça vous fait ou penser les petits, il n'y a pas besoin de petits. Si vous êtes un monde, c'est un monde qui change de vie. Tout à fait. Mais est-ce que qu'on est au vini là, ou est avec Joe, ou est-ce qu'il y a besoin, ou est-ce qu'il y a nécessité là, donc vous pouvez le travail pour retourner, je suppose. Naturellement, vous pouvez le travail pour retourner. Il y a un peu de monde qui a fait crime dans les réseaux sociaux, qui a demandé qui ça y a capable. Donc, je publie toutes informations, je suis dans l'hôpital, de qui ça y a besoin, et je vais organiser un prochain voyage pour me porter tout ça à l'hôpital besoin pour nous continuer des monde. Tout à fait. Laisse en espérer, c'est par la route et n'ap capable porter plus. J'espère que route là exactement puisque pas comme on dit nous venons en hélicoptère alors nous t'es limité avec quoi en tout nous pas capoter tout ça nous t'es voulait porter ça c'était une autre complication mais nous porter on bagaille en avant et n'ap continuer vivre. Tout à fait. Bon. Docteur Dumont, yo dim là depuis les m'ap entré à que c'est une premier docteur qui t'a recevoir et monde qui t'est venu dans l'hôpital là ici là dans Jérémy. Parlez d'un petit cas de expérience et comment ça t'a été, certain qu'on peut dormir. Donc bonne nouvelle. Oui, alors moi c'est Jean Dillan, c'est docteur Dumont d'Angoulos. Moi c'est médecin responsable service urgence pour l'hôpital Saint-Antoine. Alors le moment tremblement de terre la fin passé, premier réflexe moi c'était venir l'hôpital là pour regarder si pas de blessé. Effectivement, ça me pas connait les arriver là, bah il était en pile. OK, nous t'ai gagné un paquet de médecins OK qui t'ai venu bah écoute mais un paquet d'infirmières qui t'ai venu bah écoute mais et nous t'ai arrivé stabiliser maladie j'ai qu'à constater là pour qu'on y a la main. C'était une expérience qui était vraiment frustrant parce que vous imaginez chaque réplique qui gagne maladie a pourri avec solité au dans bras yo qui est bien en main parce que mon yo traumatisé et parce que c'est vraiment important pour moi ta gagne un accompagnement de un psychologue comprendre qui pour capable essayer parler avec mon yo pour capable tout à fait ça important une qu'a venir sous l'autre ferme, comme certains que les psychologues qui a regardé pour que nous-mêmes.
même nous capables et venir porter aide à Mounio. Même dans même vous dit tout monde qui vient là qu'on y a on croit que nous résout problème sorti en dedans car rentrer avec en battement. Comment nous parer peut-être pour la pli qui peut être capable de venir dans l'enjeu qui va venir là. Bon, et combien dire que nous utiliser ça nous gagne pour nous faire ça ouais nous. On y a. Yeah, mais si nous te gagne nous te ca faire plus. Vous comprenez? Et bien, c'est une raison pour me répondre question posée là et j'ai qu'à constater là c'est la pluie vient avec vent nous gagne chance pour mouiller. Vous comprenez? C'est prêt là nous va l'utiliser pour nous capable essayer gérer pour nous pas mouiller en bâton. Vous comprenez? Parce que nous pas vraiment gagne tête qui ferme net, c'est docteur Angelo directeur départemental là qui fait nous connait tête là qui plus ou moins est fermée qui ca empêcher nous mouiller mais après ça c'est tête ça ouais là. Oui, là, c'est eux-mêmes nous disposés. Tout à fait. Est-ce que nous arrivons, ou qu'a dit que cas d'urgence qui était grave, nous étant et transféré le monde à Port-au-Prince, et là, qu'on y a tout le monde plus ou moins stable dans le monde qui est dans l'hôpital. Oui, même le monde qui allait pour Port-au-Prince, il est stable. Ok. Ok. Et alors, hier, nous travaillons en pile, on prend en pile médecin, ok, en pile infirmière, ok, te mettez ensemble, nous arrivons à stabiliser toute maladie, parce que nous avons un seul décès, c'était un trauma crânien grave, ok, qui te gagne. Je veux dire, son polytraumatisé, parce qu'il a eu d'autres fractures ouvertes, okay, qui étaient comme si fait, il a perdu un pile sang, il est venu inconscient, il était vraiment critique. Malgré nous, il était intubé, nous fait tout ça, nous a fait bouler, nous ne pouvons pas vivre et sauver. Tout à fait. Jusqu'à présent, son seul monde, le monde qui vit dans l'hôpital, là, qui est mort. Bon, bah, en tout cas, bon travail à vous, avec toute l'équipe là, et puis je souhaite nous courage dans ce que nous avons fait, et je vous donne support que nous avons besoin. Merci. Merci beaucoup. Avec Ralph Simon, en pile dans nous qui a suivi l'actualité sur Jérémy, connaît monsieur ça, c'est monsieur JCOM qui c'est une plateforme médiatique numérique qui est basée ici dans Jérémy et qui vraiment a fait un travail extraordinaire dans promouvoir ce qu'a fait dans Jérémy. Maintenant, pour pression pour promouvoir ce qu'a fait dans Jérémy, tout ça qui a passé dans Jérémy, tout regardez. Première image du tremblement de terre qui sorti de Jérémy, c'est l'équipe JCOM qui possède, et avec M. Ralph Simon qui lui-même coordonné transportation pour moi-même avec sa watch qui est venu porter médicaments pour l'hôpital Saint-Antoine. Nan, et nous avons vraiment apprécié ça. Ralph, comme nouvelle ou même qu'on a beaucoup dormi, et travail par information de ce qui a passé a été important, comment vivre et tremblement de terre? Monsieur, nous en forme, si vous nous pas dormir, mais nous pas sentir ça parce que la population a besoin nous fait job là. Parce que hier, lorsque le tremblement de terre a fini de passer, nous passons la première action que nous faisons, c'est d'en montrer national et international comment la situation est au niveau de la grandance. Et en même temps, tout montrer qui les possibilités qui gagnent pour être capable de venir aider. Parce que nous connaissons le temps normal, le pays nous est toujours en difficulté, et surtout dans la question sanitaire. Et nous avons que depuis hier, nous avons vu le message. Le tremblement de terre, nous vivons le même avec tout le monde. Et nous pensons que c'est des bagages, nous ne pouvons pas supposer les vivre encore parce que c'est très choquant. Et jusqu'à présent, nous avons exactement ces répliques qui baillent et qui toujours mettent inquiétude dans le monde. Nous là, nous avons frappé et juste pour nous capables d'apporter des réponses par rapport à ça. C'est-à-dire aider l'autre monde qui a besoin parce que nous-mêmes, nous avons des chances, nous pas frappé, famille nous là, mais l'autre monde a besoin, nous faut nous porter support par nous. Voilà, ou même comme petite ville là et comme monde qui vraiment fait promotion ville là. Et tellement de ça a venu dans un moment peut-être personne ne pas espérer, ville là pas de parler tout, etc. Comment vous capable de voir réponse que nous avons à l'urgence que nous avons là pour la catastrophe là? Comment les gens dans la ville là participer? Comment l'autorité est organisée? Alors, faut que moi dis que tout côté me parler, moi dis que nous à 9 jours de la fête patronale de Jérémy qui c'est Saint-Louis, mais faut que nous dis que c'est 3 fêtes qui en vont et qui Jérémy la période ça c'est fête numéro 2 bon importe là fête Sainte-Hélène et puis fête Saint-Louis. Et bien réponse là c'est genre là c'est que protection civile avec autorité yo mettez yo ensemble pour capable porter réponse. Mais pas oublier que département Grand-Anse c'est un département qui était toujours traité en parent pauvre. Comme si les besoins étaient toujours très limités ici à Jérémy, c'est-à-dire qu'il y a toujours une exigence en série de matériel sanitaire, infrastructure, tout ça. Yo. Et il y a plein d'infrastructures qui crasent. Et parmi eux, c'est des côtés qui gagnent des business, côté de la provision alimentaire qui crasent. C'est-à-dire qu'il y a un problème carburant dans la ville. C'est-à-dire que les réponses paraissent antigènes difficiles pour la ville. Mais quand même, nous accommoder nous pour nous capables de répondre. Ou après que nous avons fait un beau travail, peut-être pendant le match, nous n'avons pas de capacité pour nous faire dans l'hôpital Saint-Antoine. Non, mettez tente, mettez éclairage, permettre que, même si ce n'est pas de manière capable conforme, mais nous avons un côté au moins un minimum de soins et puis mettre sécurité devant pour éviter que nous ne pas venir comme si nous sommes capables de bourrer en masse et puis empêcher les gens qui
dwe jwen soin, yo menm jwen soin. Et puis nous te fayon alèt mobiliser infirmières, médecins, tout moun en question sanitaire ki kapote. Et mon paio, nous même pour venir porter ce bon paio. Pour le moment actuel, nous sommes capables de dire que le plus gros problème là, c'est arrivé dans l'autre commune. Au niveau de Jérémy, nous sommes capables de dire plus ou moins, nous avons le contrôle là, mais l'autre commune, c'est pas le cas. Par exemple, la PCL nous est arrivée, yeah. Parce que bon problème logistique, bon problème et, nous capables de dire, matériel médical, bon problème personnel, et ça veut dire que nous pouvons arriver à PCL. Et logistique à l'écoute, parce que jusqu'à présent, PCL sont en zone qui n'a pas de l'eau. Tout si t'en qui grâce parce que c'est de la pluie. Mais je parle avec Marissa Ajoutia, c'est toujours le même problème. Et tu sens de santé au gain, c'est 7 monnaies de bonnes bras. C'est-à-dire, c'est un bail comme si nous connaissons, nous-mêmes haïtiens naturellement, nous parlons de l'hôpital souvent. On a l'hôpital comme ça. Mais gros catastrophe comme ça, nous n'avons pas de capacité de loger. Et là, l'hôpital Saint-Antoine, seul grain, l'hôpital, nous gagnons pour département qui t'a mérité structure, qui t'a supposé conseiller du matériel, où est là, nous qui t'a plein pour nous dire que nous manquons de matériel, nous besoin d'aide tout ça, et nous pas besoin de parler dans notre commune. C'est-à-dire, réponse à Bailly, et non moyen pas nous, mais ce n'est pas j'en ai discuté. Tout à fait. On y a, en matière de communication, médias, etc., parce que ça, c'est un sujet qui est pratiquement intéressé, non? Comment les médias dans la ville là et accompagner les gens? Alors, les médias sont présents, et je dis que, ou comme nous-mêmes, nous sommes totalement présents. Et il y a des radios qui sont FM, qui sont radios qui m'a géré tout, qui sont présents, qui font des émissions, qui pour sensibiliser les gens, montrer que pour respecter ensemble des consignes, les gens qui sont de terre. Les médias en général sont présents, et l'autre média est là, ils cherchent information, connaît qui évolution qui gagne. Et des fois, tout, ou nous-mêmes qui sont les médias, nous transformons tête nous en sécurité. C'est-à-dire, ensemble de travail, nous faisons pendant notre travail. Nous sommes capables de dire en tant que journaliste, nous-mêmes nous faisons travail, nous en tant que citoyen, pour te supporter nos bails, nous accompagner, pour te aider nos bails, protection civile. C'est-à-dire, parce que nous connaissons que pas un plan vrai pour répondre à la catastrophe ici en Haïti. Et ça fait nous-mêmes, par exemple, moi-même, Gérald Guillaume, là, c'est que à Wall, depuis hier, nous sommes bien là, nous campons, nous pas dormi, comme si tout ce qui est fait l'hôpital Saint-Antoine, c'est nous-mêmes. À chercher lumière, pour te tenter tout ça, à chercher bâche, c'est nous-mêmes. Et toute planification qu'a fait là, on m'a dit est-ce qu'il y a mangé pour nous, est-ce qu'il y a de l'eau, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, nous avons perdu le contrôle de la situation, hein, parce que c'est pour la première fois qu'on tremblement de terre, pour moi-même, l'histoire pas me connaît, qui frappe Jérémy comme ça. Et nous avons vécu, et puis la situation est un peu difficile pour nous. Mais les médias, nous présents, et nous faisons travail par nous, en tant que citoyens et en tant que professionnels. Tout à fait. Et bien voilà, nous sommes en train de suivre J.com Haïti sur toutes les plateformes Facebook, Twitter et YouTube qui ont même des informations en direct de Jérémy, bagaille qui est authentique et bagaille que vous devez connaître si vous suivez l'actualité. Bon, ici, mon cher Messampil, merci pour vous libérer tout ça organisé pour être capable de venir livrer médicaments dans l'hôpital. Bon, c'est ça seulement nous devons faire, Karel. Et moi, c'est que nous devons faire plus parce que la présence est intéressante, Karel, parce que pas n'importe monde dans le domaine médiatique, dans le pays, pas n'importe monde, a dit présence sous signifie un paquet de bonnes bagailles et où est avec Géo, même lorsque, comme si on parle globalement tout département, mais où est minimum ça gagne dans le centre-ville là, a dit un message pour là, peut-être que capable de vivre plus loin que là. Parce que là, je souhaite que nous jouions notre support, même Jean, pour venir jouer avec sa Roche Bertin, et bien nous jouions notre support comme ça pour l'hôpital Saint-Antoine, notre support comme ça pour mon PC, notre support comme ça pour mon Beaumont, pour tout le monde dans le département, parce que vous m'avez attiré l'attention, mon nom. Parce que là, on parle de Grand Sud, il y a toujours Okaï. C'est vrai, Okaï, il faut appeler en pile là, mais il ne faut que pas négliger la grandesse. Parce que la grandesse, c'est un département qui est toujours négligé. Et cette fois-ci, nous voulons que vous mettez lumière sur nous pour ne pas rater l'occasion de rater avec Mathieu. Merci. Merci.